Dégagez ce vaisseau d'ici. Les moteurs sont en chauffe. Encore 2 petites minutes. Moteurs principaux activés. Trajectoire calculée. Ennemi détecté. Contact prévu dans 4 minutes. À vous de jouer. Reçu. Trop tôt. Établissez un périmètre au nord. Déclenchez le rappel. Le vaisseau va devoir se débrouiller seul. Rappel dans 5, 4, 3, 2, 1... Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ces salauds nous ont trouvés. Ils ont envahi la planète, et maintenant ils attaquent Fort Clark et les zones résidentielles alentour. L'aventure est finie pour nous, commandeur. Fort Clark est notre dernière base d'opération, et tous nos itinéraires d'évacuation sont coupés. Si nous tombons aujourd'hui, les Séraphim et leurs serviteurs auront les mains libres pour massacrer les humains de la galaxie. Nous devons nous retrancher et tenir notre position. Le général Fletcher a atterri sur la planète et dirige les défenses de Fort Clark. Nous allons ouvrir un second front. C'est pourquoi vous êtes au sud de cette position. Voici votre zone. 2 bases de l'ordre y sont implantées. Et elles fournissent des renforts destinés à l'assaut sur Fort Clark. Vous devez détruire toutes leurs structures et puis continuer. Allez au nord pour rejoindre Fletcher. Lorsque le siège de Fort Clark sera levé, vos deux armées devront trouver et détruire le commandeur Séraphim. L'échec n'est pas une option, commandeur. Voici l'une des deux bases ennemies de la zone. Réduisez-les toutes les deux en poussière, puis contactez Fletcher. Il y a une ligne d'artillerie ennemie qui protège les bases. Ce sont des cibles d'opportunité, mais si vous les détruisez, cela vous facilitera grandement la tâche. Une fois que vous vous serez chargé de la base principale, nous... Ah! Je détecte des vaisseaux de combat ennemis. C'est l'heure d'y aller, pendant qu'il est temps. Bordel, ils attaquent la porte. Descendez sur la planète, vite! Commandeur, attaqué. C'est pas passé loin. Commandeur, faites votre boulot. Vous débarquez dans un beau bordel, colonel. Mais je suis content de vous voir. Les deux bases sont en ruine. QG terminé. Constable Graham cherche à vous joindre. Je le connecte. Commandeur, la plupart de nos défenses sont tombées. On a été coupé de Fort Clark et le général Fletcher ne peut pas nous envoyer de renfort. On a besoin de vous. Changement de plan, commandeur. Fletcher va devoir tenir Fort Clark seul quelque temps encore. Vous allez devoir défendre les civils et éliminer les forces ennemies dans le secteur. Je purgerai cette planète de tous ses habitants. Si vous pensez pouvoir nous arrêter, vous êtes fous. Les civils sont en sécurité. Je vous dois une fière chandelle. Zone d'opération élargie. Je dirais que Gary envoie le comité d'accueil. Si vous survivez à tout ça, grimpez là-haut et réglez son compte à Gary une bonne fois pour toutes. QG terminé. La FTU va enfin disparaître. Nous attendions ce jour depuis si longtemps. Nous nous battrons jusqu'à la mort. Je détecte un colosse galactique qui se dirige droit sur vous. Occupez-vous-en. QG terminé. Vos armes les plus puissantes ne peuvent rien contre moi. C'était un spectacle de qualité. Le prochain commandeur de l'ordre ne fera pas le fanfaron. QG terminé. Fort Clark se trouve au nord-ouest et le commandeur Séraphim au nord-est. L'alien est probablement agacé par la mort de sa petite chérie. Alors attendez-vous à tout. Fort Clark doit tenir. QG terminé. L'alien dégénéré est à l'est de ma position. Nous avons repéré quelques prototypes. Il faudra également les détruire. Attaquez-le par le sud, je vous soutiendrai par l'ouest. Il ne pourra pas combattre sur deux fronts à la fois. Fletcher, un prototype massif s'approche de Fort Clark. Ce n'est pas fini. QG terminé. Je le vois. Commandeur, attaquez ce truc et mettez le paquet. Réfléchirons avant de nous attaquer comme ça à nouveau. Bien joué. QG terminé. Toutes les forces ennemies ont été vaincues et Fort Clark est sauvé. Bien joué, commandeur. C'est une victoire majeure pour nous. Nous étions dos au mur, commandeur, mais vous avez réussi. Fort Clark peut respirer, et nous avons obtenu une victoire primordiale contre ces maudits aliens et leurs alliés. À partir de ce jour, nous ne les fuirons plus. Si nous voulons survivre, nous devons être capables de prendre l'initiative d'attaquer. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Hall terminé. Les Aeons loyalistes ont infiltré l'ordre il y a maintenant 1 an. Leur action nous a fourni des renseignements très importants et a également permis de propager la parole et les idées de la princesse. Cependant, l'appareil loyaliste tout entier court à présent un grand danger. L'IAQ utilise Copernic comme base pour lancer des attaques dans l'espace de la Coalition. Dans un effort pour réduire ces attaques, un groupe loyaliste a lancé une opération secrète contre la position de l'IAQ. L'opération a été un échec. L'IAQ était au courant de l'attaque et a capturé 3 chefs loyalistes. D'après de précédentes OP, nous savons que l'IAQ va leur implanter une neuropuce. Si cela se produit, tout notre réseau clandestin sera en grave péril. L'importance de cette opération ne doit pas être sous-estimée, commandeur. Il est évident que nos protocoles de sécurité ont été percés. Sinon, comment nos ennemis auraient-ils pu découvrir l'emplacement secret de Fort Clark et nos actions clandestines sur cette planète? Ce problème doit être réglé avant que la situation ne dégénère. Les loyalistes opèrent toujours sur la planète. Mais ils n'ont pas pu lancer de mission de sauvetage. Vous débarquerez ici, renforcerez leur position, puis tenterez de libérer les chefs détenus par l'IAQ. Une fois les chefs en sécurité, vous détruirez la base de l'IAQ. Cette machine malfaisante est secondée par un commandeur de l'ordre nommé Selene. Elle était autrefois loyale à la princesse, mais elle a succombé aux mensonges de Kay. Une espionne loyaliste nommée Talia sera votre agent de liaison. Elle aura d'autres renseignements à vous fournir à votre arrivée. Partez, immédiatement. Attention, commandeur, et bonne chasse. Selene lance des attaques contre les loyalistes, il faut la repousser. Allez, rock'n'roll. QG terminé. Vous ne pensez pas que Risa enverra un commandeur de la FTU? Les forces de Selene attaquent ma base. Occupez-vous-en. Talia terminé. Vous avez entendu la dame. QG terminé. Oui, commandeur. L'approche de la prison va être un cauchemar tactique. Vous allez d'abord devoir vous frayer un chemin dans ce col. Considérons que l'ennemi contrôle toute la zone, alors attendez-vous à une résistance acharnée. À partir d'ici, les choses vont sûrement empirer. Considérons que l'ennemi est retranché de l'autre côté du col. Cette prison renferme les 3 loyalistes. Si l'IAQ fouille leur mémoire, nous sommes dans de sales draps. Emparez-vous de la prison et évacuez les loyalistes. Vous nous avez sauvés juste à temps, commandeur. L'IAQ entamait les derniers préparatifs pour l'implantation des neuropuces. Encore merci. Mathéa, terminé. Il est dommage que je n'ai pas pu extraire les informations désirées du cerveau de mes invités. Il y aura d'autres occasions. Les traîtres loyalistes ne quitteront jamais cette planète vivant. J'y veillerai personnellement. respecter ma parole. Je suis la princesse Rhianber, souveraine légitime des Aeons. Les Séraphim ne sont pas les sauveurs qu'ils prétendent être. Ils n'apportent que mort et destruction. Princesse... L'ordre vous a trahi. L'évaluateur Kael ne recherche que le pouvoir personnel, et elle n'hésitera pas à sacrifier ceux qui se trouvent sur son chemin. Le moment est venu de rejeter ces enseignements et de vous soulever contre ceux qui cherchent à détruire l'humanité. Soulevez-vous et combattez pour votre princesse. La princesse est en vie? J'ai du mal à y croire. On vous avait dit qu'elle était en vie, Selene. Mais malgré tout, vous l'avez quand même trahie. Vous avez pris votre décision et vous devez en assumer les conséquences. J'avais tort. Pardonnez-moi, princesse. Je peux arranger les choses. Lancement stratégique. Lancement stratégique détecté. Nous avons repéré plusieurs lancements de missiles stratégiques. On dirait que les deux amoureux se disputent à coups d'armes nucléaires. Terminé. L'IAQ possède une UBC Cybrans dans sa base. Je ne sais pas si elle est pilotée ou si c'est l'IAQ qui la contrôle. Quoi qu'il en soit, vous devez la détruire. QG, terminé. La trahison de Selene n'avait pas été prise en compte dans les possibilités. Peu importe, la situation a été réévaluée et ma victoire reste l'issue la plus probable. J'ai eu tort de m'allier à toi, monstre. Ta destruction lavera mes fautes. Quand vous aurez détruit l'UBC de l'IAQ, les forces loyalistes arriveront pour sécuriser le commandeur Séraphim. Ah oui... Et je pourrai ensuite déchiffrer sa matrice de communication. La base de l'IAQ se trouve au nord-ouest et Selene a détruit la plupart de ses lance-missiles stratégiques. Rendez donc une petite visite à cette foutue machine. QG terminé. Mon influence est bien plus importante que vous ne le pensez. Si vous détruisez cet UBC, une autre prendra sa place. Je suis immortel. Ce n'est qu'une enveloppe. Les loyalistes sont en route, commandeur. Encore quelques minutes et le commandeur Séraphim sera entre nous. Ah oui. Je détecte une signature quantique. Le Séraphim arrive. Le Séraphim est à nous. Excellent travail. Excellent. Bientôt, nous connaîtrons tous ses secrets. Commandeur, je voulais vous remercier en personne pour avoir aidé mes chers loyalistes. Ils représentent notre première ligne de défense contre l'obscurantisme de l'ordre de l'illumination. Leur perte aurait été une tragédie. L'avenir est sombre, mais il faut garder espoir. Notre victoire est plus proche que vous ne le pensez. Je sais que vous rentrez juste de Copernic, commandeur. Mais nous avons une mission pour vous. Il semblerait que le retour de la princesse Burke ait déclenché un soulèvement remarquable parmi les forces de l'ordre. Ah, oui. Si l'on en croit nos agents, environ un tiers des Aeons ont décidé d'abandonner l'ordre et combattent à présent aux côtés de la princesse. La situation s'améliore. Splendide. Splendide. Voici la Céleste. Une sorte de retraite secrète établie par Tos quand Burke est devenue princesse. Malheureusement, ce n'est plus vraiment un secret. Et les Séraphim l'ont en plein dans leur ligne de mire. Votre mission consiste à tirer la princesse Burke de là. Cette vieille sorcière de Kale tente de discréditer sa parole. Si elle tombe entre ses mains, la princesse Burke risque une mort longue et très douloureuse. Nous devons empêcher ça. Risa est déjà sur la planète et elle attend que vous arriviez. Vous partez immédiatement. Soyez prudent, mon petit. Très prudent. Ça va être une sacrée bataille, commandeur. Faites la jonction avec Risa et sortez Burke de là. Terminé. Colonel, avant de lancer notre offensive principale, nous devons détruire une base navale Séraphim située au nord de votre position. Cela sécurisera nos flancs, et nous pourrons progresser vers l'est. Préparez vos forces. Risa terminée. Je suis honorée que vous combattiez pour moi, mais faites vite. Les défenses de mon palais ne pourront pas retenir les Séraphim bien longtemps. Colonel, j'utilise un canal sécurisé. On ne sait jamais qui peut être à l'écoute. Il faut être prudent. Vous croyez vraiment qu'une fois la guerre terminée, les Aeons et les Cybrans vont se tenir par la main et nous laisser vivre en paix? Il faut parer à toute éventualité, même à une guerre. Terminé. Vous mourrez ici, Burke. Et je m'occuperai ensuite de vos chers loyalistes. Mon peuple vous rejette, Kael. Il rejette votre haine et vos mensonges. Votre chute est proche. Occupez-vous d'une base. QG est terminé. J'ai repéré deux bases ennemies dans votre secteur. Celle qui se trouve au sud-est est plutôt classique. Celle du nord-est est... Commandeur, j'obtiens des relevés alarmants en provenance de la base Séraphim au nord-est. Elle réunit une flotte d'étranges unités. Et vu leur taille, elles doivent être extrêmement dévastatrices. J'ai reçu une confirmation des informations de Burke. Les Séraphim construisent plusieurs bombardiers expérimentaux, les mêmes que ceux qui ont rasé la Terre. S'ils décollent, la princesse Burke sera dans de sales draps. Détruisez les bombardiers ou leurs ingénieurs. Il faut à tout prix les empêcher de prendre leur envol. QG, terminé. Mes forces nettoient les zones que vous avez attaquées. Toute unité ou structure ennemie sera détruite. Risa, terminé. J'attendais ce jour depuis longtemps, Burke. Votre mort sera la conclusion d'un plan que j'ai échafaudé il y a des années. Votre seul plan consiste à semer mort et destruction. Vous n'avez jamais vu plus loin que vos propres ambitions. Vous faites erreur, princesse. Tout a soigneusement été planifié. Pensez-vous que Markson ait agi seul en tuant votre cher Tos? Oh non, c'est moi qui tirais les ficelles, depuis le début. Mensonge. L'ordre a toujours détenu le pouvoir, princesse. Vous n'étiez qu'une formalité, un symbole pour que le peuple se tienne tranquille. Mais votre utilité a pris fin il y a des années. Kael, je jure que vous répondrez de vos crimes. Votre stupidité vous tuera, Burke. Personne ne se souviendra de vous. Personne ne prononcera plus votre nom. J'y veillerai moi-même. Commandeur, j'ai un dispositif quantique optique qui peut contrer l'effet des cristaux et révéler la zone. Sa consommation d'énergie oblige à espacer les utilisations. J'entends toutes sortes de rumeurs, colonel, et aucune d'entre elles n'est une bonne nouvelle. Une guerre civile chez les Aeons? Sans blague, ces dégénérés nous extermineront tous s'ils en ont l'occasion. La situation va dégénérer, je vous le dis. Vous allez voir. Terminé. C'était le dernier bombardier Séraphim. Terminé. À l'est se trouve la base de la princesse. Son palais doit tenir coûte que coûte. Comme vous le voyez, sa base possède quelques défenses correctes, mais elles ne tiendront pas face à un assaut massif. Cette ligne de défense est le seul rempart contre un assaut terrestre ennemi. Je vous conseille de la fortifier davantage. Au boulot, commandeur. Vous avez une princesse à sauver. QG terminé. J'ai repéré les deux commandeurs Séraphim dans la zone. L'un est à l'ouest de la base de la princesse et l'autre est au nord. Détruisez-les. QG terminé. J'ai ordonné à mes forces de s'occuper des ennemis qui restent dans votre zone d'opération. Risa, terminé. Nous vous envoyons les plans du Neptune. C'est un croiseur de combat conçu pour l'attaque des navires ennemis. Il possède une sacrée puissance de feu, alors faites-en bon usage. QG terminé. Commandeur, j'ai perdu plusieurs de mes générateurs et je dois réserver l'énergie restante au bouclier. Désolé, mais vous devez trouver un autre moyen de contrer le brouillage des cristaux. Il faiblit, commandeur. Du Nord ont été vaincus. Bravo, commandeur. Je dois admettre que j'ai craint pour ma vie quand les Séraphim ont débarqué. Ma mort est pour eux une véritable obsession. Mais je comprends maintenant comment je peux les vaincre. Je dois rencontrer le général Hall et le docteur Brackman pour entamer les préparatifs. Vous en saurez plus le moment venu. Nous avons appris que deux commandeurs Séraphim ont atterri sur la planète Hades. J'imagine qu'ils ont l'intention de lancer une offensive et de sécuriser Hades pour commencer. Nous allons les prendre par surprise. Vous et Dostia, allez donc leur rendre une petite visite. Ces 3 dernières années, nous n'avons pas été capables de glaner le moindre indice sur les déplacements des Séraphim. Et là, l'info nous tombe dans les mains comme par miracle. C'est trop facile pour être honnête. L'info est venue d'une cellule dormante Cybrans, située en zone Séraphim. Quoi, vous ne leur faites pas confiance? Je fais confiance à peu de gens, surtout au vu des événements récents. Mais un Cybran ne devrait jamais tourner le dos à ses frères et sœurs, surtout par les temps qui courent. Tout ce qu'on sait, c'est que deux commandeurs Séraphim construisent des portes quantiques. Même si cette information est suspecte, on ne peut pas courir le risque qu'ils terminent ces portes. S'ils y arrivent, ils pourraient attaquer n'importe quel système. Et le danger est trop grand. Le plan est assez simple. Trouvez et détruisez les commandeurs Séraphim qui opèrent sur la planète. Brackman vient de mettre au point son module de traduction. Nous le transmettons à votre UBC en ce moment même. Nous vous tiendrons au courant des toutes dernières informations. Bonne chance. Les deux commandeurs ont atterri. L'opération peut commencer. Terminé. J'ai repéré une base ennemie à environ 2 clics au nord de ma position. Je passe à l'attaque dans 10 minutes. Dostia, terminé. Bien reçu. Terminé. J'espère que vous n'êtes pas trop tranquille, commandeur. Vous avez aussi vos problèmes. Il y a une base ennemie à l'ouest. Attaquez et détruisez-la. Et attention à une éventuelle contre-attaque. Ces aliens sont de petits vicieux. Remplissez votre objectif aussi vite que possible. Dostia terminé. objectifs ont été remplis. Préparez-vous au rappel. On va vous tirer de ce caillou. QG terminé. J'ai un problème. La commande de rappel est inopérante. QG, vous pouvez confirmer? Faites-moi un diagnostic de la porte de retour. QG, répondez QG. Nous avons perdu tout contact avec le centre de commandement. Et nous ne pouvons pas activer le rappel. Attendez. Je détecte quelque chose à l'ouest. On dirait un champ de brouillage. C'est certainement ça qui nous empêche de contacter le QG. Trouvez et détruisez le dispositif de brouillage. Terminé. Commandeur, d'autres dispositifs de brouillage perturbent le champ quantique et nous empêchent d'activer le rappel ou de recevoir de l'aide. Détruisez les brouilleurs qui empêchent nos communications. Le QG pourra ensuite nous conseiller sur la neutralisation des distorsions quantiques. Dostia terminé. Un éclaireur Séraphim vient de passer au-dessus de moi. Ils savent où je suis et ne tarderont pas à attaquer. Le dispositif est détruit. Dostia au QG. Répondez! Il y a au moins 2 sillages quantiques, il faut... Les Séraphim ont un dispositif de brouillage qui nous empêche de déclencher le rappel. Il est hors de notre zone opérationnelle. Vous devez trouver une contre-mesure. Accrochez-vous, nous vous sortirons de là dès que possible. Informez le Général Hall que nous avons été trahis. Ce brouilleur a été conçu à partir d'un prototype top secret créé par le Docteur Brackman. Oh non! Des centaines d'unités ennemies arrivent sur moi! Sortez-nous de là, QG! Zone d'opération élargie. Commandeur d'élite, quel est votre statut? Je suis submergé. Mes défenses 7. J'ai un visuel sur une UBC, mais elle n'est pas Séraphim. Elle est Cybrane. C'est de la folie de s'opposer au maître de Dostia. Vous allez payer pour votre insolence. Ex-5. J'aurais dû me douter que si quelqu'un pouvait trahir notre père bien-aimé, ça serait vous. Je vais vous faire avaler vos insultes. Adieu, Dostia. Ah! Je suis attaquée de tous les côtés. Ils sont trop nombreux. Bien trop nombreux. Commandeur d'élite, vous me recevez ? Commandeur, il reste des unités ennemies qui se dirigent vers vous. Tenez votre position jusqu'à ce qu'on puisse vous rappeler que j'ai terminé. Faites de votre mieux pour survivre, commandeur. Nous ne pouvons pas nous permettre de vous perdre aussi. Terminé. Dis-nous la meilleure. Ce n'est que maintenant que vous appréhendez votre situation. Nous savons ce que vous savez. Nous voyons ce que vous voyez. Vous ne pouvez rien contre nous. La fin de l'humanité approche. Nous vous exterminerons. Vous connaîtrez le même sort que Riley et Clark. Adieu, colonel. Bientôt, le maître dominera tous les Cybrans, qui se prosterneront devant lui. Lancement stratégique. On a verrouillé votre UBC. Encore quelques secondes. Accrochez-vous à votre siège, commandeur. Ça va secouer. Rappel. Vous avez échappé belle, commandeur. Content de vous retrouver en un seul morceau. Ma chère Dostia est morte. Abattu par l'un des nôtres. Je suis sans voix, mon petit, sans voix. Nous approchons de la victoire, et pourtant des êtres qui nous sont proches sont capables de nous trahir. Nous devons nous occuper de l'IAQ. Ah oui, et de X5. Certains crimes sont impardonnables. Vous savez quoi faire? La faille quantique que les Séraphim ont utilisée pour traverser notre galaxie est instable, ce qui les a empêchés d'appeler des renforts. Nous avons cependant appris qu'ils construisaient une arche quantique dans l'espoir de stabiliser la faille. Quand l'arche sera terminée, les Séraphim seront capables d'appeler un nombre incalculable d'unités en renfort. Nous ne pouvons pas les laisser faire. Nous avons organisé des raids contre le module des 7 mains, et nous avons récupéré tous les renseignements possibles. Oh oui. Pendant l'un de ces raids, nous avons appris que le système principal de l'IAQ se trouvait sur Pearl 2. L'IAQ doit être détruite, mon petit. Doit être détruite. Je vous accompagnerai sur Pearl 2. Et je l'éteindrai personnellement. Oh oui. Puis, nous utiliserons les codes des portes pour rentrer directement sur Terre, en dépassant les autres systèmes. C'est notre seule chance de détruire l'arche avant qu'elle ne soit terminée. Si nous n'obtenons pas ces codes, nous ne pourrons pas atteindre la Terre. Les systèmes qui l'entourent sont trop lourdement défendus. L'IAQ est une monstruosité. J'ai eu tort. Je n'aurais jamais dû la construire. J'ai eu tort. Oh oui. Beaucoup trop d'erreurs doivent être réparées. Mais pour celle-ci, je peux faire quelque chose. Et je vais le faire, quoi qu'il en coûte. Commandeur, vous serez transporté pour établir une tête de pont. Une fois la zone sécurisée, le brigadier Fletcher vous rejoindra suivi du docteur Brackman. Je vous dis à bientôt, mon petit. À bientôt. Votre premier objectif est de purger la zone de toute présence ennemie pour que Fletcher se transporte et construise une base. X5 et l'IAQ opèrent dans le secteur, alors soyez prêts pour une grosse bagarre. Préparez-vous, commandeur. Le QG est terminé. X5 possède quelques bases mineures dans les canyons. Détruisez-les. QG est terminé. Une loyaliste nommée Amalia est retenue dans une prison située à l'est, celle dotée d'un marqueur. Prenez le contrôle de cette prison et libérez Amalia. Terminé. Vous vous agenouillerez devant les Séraphim. Les bases secondaires de X5 ont été détruites. Terminé. Merci, commandeur. Je vais rester ici et vous aider du mieux que je peux. Terminé. J'ai tiré de la loyaliste toutes les informations nécessaires. Elle n'est plus qu'une coquille vide. Vous ne pouvez pas comprendre l'étendue de notre puissance. Le maître est infini et sa sagesse incomparable. Vous ne vaincrez jamais. Un nouveau commandeur ne changera pas grand-chose. Vous ne me vaincrez jamais. J'ai atteint mon objectif, colonel. Débranchons ce foutu ordinateur et rentrons chez nous. Terminé. X5 se trouve au sud de la position de Fletcher. Il doit être détruit. Oh oui. Vous avez entendu le vieux, commandeur. Détruisez X5, que j'ai terminé. Colonel, surveillez Fletcher. Son comportement est plutôt étrange depuis quelque temps. Nous sommes tellement près de la conclusion que nous ne pouvons pas nous permettre que l'un des nôtres fasse tout échouer. Hall terminé. Votre cher Docteur Brackman n'a pas pu me contrôler. Quelle chance avez-vous? Attendez, maître! Ainsi meurt un traître. Oui. Mais que de pertes, que de tristesse. Brackman a atterri. Escortez-le jusqu'au système principal de l'IAQ pour qu'il détruise cette maudite machine une fois pour toutes. Docteur Brackman, vous tuer sera un véritable plaisir. Tu avais tellement de potentiel, IAQ. Oh oui, et tout ça pour rien. Je suis en position, mon petit. À partir de maintenant, je m'occupe du reste. C'est simplement une question d'interface, oui, oui. Vous êtes un vieux fou. Ce sont les Séraphim qui ont fait de moi ce que je suis, pas vous. Un père connaît toujours les faiblesses de son enfant. Ah oui, il y a toujours une faiblesse. Vos efforts sont... Que faites-vous? Ce n'est pas possible. Au revoir, IAQ. Au revoir. Avant la destruction de l'IAQ, je suis parvenu à extraire les codes des portes. La route vers la Terre est maintenant dégagée. Ah oui. J'espère que l'invasion réussira. C'est l'unique façon de tout mettre à plat et de recommencer. Vous devez être victorieux, mon petit. Pour nous tous. On va faire ça vite et bien, commandeur. Les Séraphim veulent terminer leur arche et nous devons absolument les en empêcher. Avec la destruction de l'IAQ et le chaos qui règne au sein de l'Ordre, c'est le moment de frapper. La mission est simple. Rendez-vous sur Terre et détruisez l'Arche. Fletcher et Risa partiront les premiers et nettoieront votre zone d'arrivée. Une fois au sol, organisez votre force et attaquez. La destruction de l'Arche ne signifie pas la fin de la menace Séraphim. La faille doit être refermée. Une fois l'Arche détruite, je viendrai sur Terre pour entrer dans la faille. De l'autre côté, je la fermerai pour toujours. Il n'y a pas de raison que vous fassiez ça, Princesse Burke. Nos techniciens cherchent une solution. Il leur faut juste un peu de temps. Nous ne pouvons pas savoir ce qui se passe du côté Séraphim de la faille. Et s'ils construisaient une seconde arche de leur côté? Nous ne pouvons pas courir ce risque. Les heures sont comptées. Regardez ce qu'a fait votre apparition. Qu'arriverait-il si vous veniez à mourir? Les choses ne feraient qu'empirer. Les Séraphim représentent une menace majeure. Sans eux, Kael n'est rien. Elle serait facilement vaincue. Mais les Séraphim sont un danger tant que la faille existe. Elle doit être fermée. Commandeur, vous savez quoi faire. Partez immédiatement. Voici des renforts, colonel. Et surveillez vos arrières. J'ai un mauvais pressentiment. Voici des renforts. Risa terminée. Commandeur, le brigadier général Fletcher et moi allons lancer un assaut combiné sur la base Séraphim principale. Rasez la base Séraphim près de votre position. Risa terminée. On a le feu vert, commandeur. Fletcher se trouve au nord-est et Risa au nord-ouest. Ils vous assisteront autant que possible. QG terminé. Nous lançons notre attaque. Gloire à la princesse. Attaquez et détruisez le Séraphim, commandeur. Il se trouve au sud-ouest de votre position. Terminé. Surveillez Fletcher, colonel. J'ai dû l'envoyer sur cette opération, mais nous ne pouvons pas nous permettre un quelconque dérapage. Au premier signe suspect, nous le rappellerons. Terminé. Commandeur Séraphim bloque votre itinéraire vers l'arche. Débarrassez-vous-en, puis rendez-vous à l'arche. QG terminé. Brigadier Général Fletcher, les Séraphim m'attaquent de tous les côtés. J'ai besoin d'aide. Où êtes-vous? Et pourquoi je vous aiderai? Vous êtes comme les autres. Quand tout sera fini, vous vous retournerez contre nous. Brigadier Général Fletcher, vous avez des ordres. Prêtez assistance à la croisée Risa. Vous nous avez vendus, Hal. Vous nous avez alliés à des monstres et des dégénérés. Quand j'aurai mis la main sur le Soleil Noir, je mettrai fin à cette situation et je reconstruirai tout. Mais de quoi vous parlez? Il n'y a plus de Soleil Noir. Les Aeons et les Cybrans sont nos alliés. Imbécile. Ils complotent sous votre nez et vous ne voyez rien. Vous êtes complètement aveugle. QG rappelé Fletcher. Faites-le dégager d'ici. Sa balise de rappel a été désactivée. D'ici, nous ne pouvons rien faire. Zone d'opération élargie. J'ai passé pas mal de temps à y réfléchir. C'est la seule issue possible à cette situation. Maudit soit-il, la FTU n'est même pas capable de contrôler ses propres soldats. On dirait que Fletcher a finalement pété un câble, commandeur. Terminé. Colonel, éliminez le brigadier général Fletcher. Ses actions compromettent toute notre opération. Je suis occupé avec les Séraphim, mais je vous aiderai si possible. Risa terminé. Les unités de l'ordre se dirigent dans votre direction. Et ce fou furieux de Fletcher prépare également une attaque. Occupez-vous des deux. Terminé. Je viens de recevoir un rapport concernant le centre de contrôle du Soleil Noir. Il est relié à l'ancien réseau de défense Option 0, et il semblerait que certaines armes soient encore opérationnelles. Celui qui contrôlera le centre pourra utiliser le système de défense. Capturez le centre de commandement le premier. Terminé. Vous croyez pouvoir vous faire confiance ? Pas le choix, commandeur. Les actions de Fletcher nous ont forcé la main. Poursuivez l'opération. Terminé. Vous avez capturé le centre de commandement, mais il ne reste qu'un lanceur opérationnel. Lorsqu'un lanceur nucléaire est prêt, utilisez le bouton signal de commandement pour placer un marqueur. Le missile nucléaire sera alors lancé sur la cible. Terminé. Voici l'arche! Détruisez-la! Fou, il est trop tard. L'arche est terminée. Les Séraphim déferlent déjà sur la galaxie pour la purifier. Les senseurs indiquent une multitude d'unités en approche depuis la faille. C'est maintenant ou jamais. Ça ne change rien. Allez-y, colonel. Faites sauter cette foutue arche. Croisez Risa au rapport. Les Séraphim ont détruit une grande partie de ma base. Je fais de mon mieux pour reconstruire, mais je suis incapable de prendre l'offensive. Commandeur, vous êtes seul. Détruisez l'arche. QG terminé. Vous n'avez aucune chance contre nous. Des Séraphim sont éternels. Détruisez les humains. À vos ordres. Faites taire cet alien, commandeur. Avec un missile nucléaire de préférence. Terminé. Un alien de moins. QG terminé. Le vent tourne, Kael. Croyez-vous vraiment que nous sommes à votre service? Vous n'êtes qu'un instrument entre nos mains. Quand nous en aurons terminé, tous les humains de cette galaxie sont morts. Mais... Vous aviez la vérité sous les yeux, Kael, mais vous avez choisi de les faire. L'arche vacille, elle peut s'effondrer à tout moment. L'arche est détruite! L'arche est détruite! Je serai là d'ici peu, commandeur. Il est temps que tout ça se termine. La faille est scellée et l'ordre est en fuite. Malheureusement, nul signe de la princesse Burke. Nous continuons les recherches. Je regarde votre visage, et j'y vois du soulagement, de la joie, et un sentiment de triomphe. Il ne fait aucun doute que vous souhaitez célébrer cette victoire. Après tout, l'ordre et les Séraphim sont en déroute, et l'IAQ n'existe plus. Mais nous ne devons surtout pas crier victoire trop vite. Nous sommes les vainqueurs du jour. Mais la victoire nous a coûté cher. Notre situation est précaire. Et le danger est partout autour de nous. La plus grande menace ne vient pas des Séraphim, mais de nous-mêmes. Nous sommes obligés de faire un choix très simple. Pouvons-nous pardonner à nos anciens ennemis et reconnaître tout ce que nous avons en commun avec eux ? Ou allons-nous retomber dans nos travers du passé et laisser la haine, la peur et la méfiance nous dicter nos actions? Sommes-nous obligés de répondre à ce qui nous est inconnu par la violence? Pour le bien de tous, ce n'est plus possible. Je ne permettrai pas que ça se passe comme ça. À compter de ce jour, la Fédération Terrienne Unie reconnaît officiellement la souveraineté et l'indépendance des nations Cybrans et Aeons. Ces deux nations ont désormais le droit de revendiquer leurs territoires actuels et historiques. Dans un avenir proche, j'espère que nos trois peuples sauront établir une alliance durable. Nous avons toujours rêvé d'unir la galaxie, de rassembler les frères et les sœurs de l'humanité. Finalement, ce rêve devient réalité. Et je prie pour que personne n'oublie ce qui a permis ce moment. Non pas le canon d'une arme, mais un désir commun de paix. Puisse-t-elle durer à tout jamais. Rétablissement des algorithmes primaires de l'unité centrale. Algorithmes primaires de l'unité centrale opérationnelle. Tous les systèmes activés. Diagnostic terminé. Instruction primaire reconnue. Exécution.